À louer, rez-de-chaussée, rue L'Espérance, 6,5 rénové. Ça a de l'air bien, ça? J'aime pas vraiment le quartier. Y a pas d'arbres. Ah, tiens, Longueuil, grand 6,5, en face d'un parc. Ça nous ferait loin, hein, pour marcher jusqu'au bureau. Et je l'ai, regarde. Centre-ville, 5,5, deux chambres fermées, jardin, arbres matures, beaucoup de cachets. Non, mais ça, c'est parfait. C'est pas trop loin du bureau, il y a des arbres, une chambre pour le bébé. Puis beaucoup de cachets, ça veut souvent dire que c'est délabré. Ben oui, maintenant, là, tu fais exprès. Je commence à me faire des racines, moi, ici. Geneviève, le bébé va arriver dans 8 mois. Où on va le mettre? Il n'y a pas de place. Tu sais qu'au début, les bébés sont pas vraiment gros, hein? Mais tu sais aussi qu'ils viennent avec beaucoup d'accessoires, hein? Des poussettes, des bassinettes, des couffins, des tables à langer. Pas le nôtre. Il va avoir des goûts modestes. Geneviève. Je l'aime, ton appartement. J'ai l'impression d'avoir fait un voyage immense pour me rendre jusqu'ici. Je veux pas partir tout de suite. Les sœurs qui vendent le Mont-Carmel pour 6 millions. Ça ne s'appelle pas faire de l'argent sur le dos des pauvres, ça. C'est moi! Pourquoi vous répondez plus à la porte? Ils ont été obligés de livrer votre commande chez le voisin. Ben, je devais être dans la cave. Je n'ai pas entendu. De quoi vous avez peur? Ben, on vit en ville, faut être prudent. Ouais. C'était jamais barré ici avant. Ben, jamais tort. Je vous reconnais plus. L'autre jour, vous pensiez que quelqu'un vous suivait, là. Depuis 2 semaines, c'est le cadenas sur la porte. Il y a eu des vols dans le voisinage. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez vu votre médecin? Puis toi? Je voudrais pas vous insulter, là, mais j'ai déjà eu un client qui prenait 2 sortes de médicaments qui allaient pas bien ensemble. Son caractère s'est mis à changer, il se méfiait de tout le monde, et puis... Je veux la paix. Puis j'aime pas ça être achalé. C'est une maladie, ça? Pour une fois qu'on fait un souper de famille, maman a demandé 3 fois pourquoi t'étais pas là. Mais combien de temps t'es pas allé la voir? J'ai été pris. Tes loisirs? Non, je monte une pièce de théâtre. Ça, je dis. Hé, hey, la succession aussi me prend beaucoup de temps. Il a fallu que je trouve un agent d'immeuble. Oh! Annule l'agent. On vend plus. Avec Suzanne, on a discuté de ça hier soir. Les locataires du rez-de-chaussée s'en vont bientôt. Ma fille va le prendre. La maison appartient aux 5 enfants. Au dernier conseil de famille, on avait décidé de vendre. Mais si tu nous poussais dans le dos? Claire, je... Hé, hey, la belle surprise. Je suis venue déjeuner. Pour une fois que j'ai le temps. Bonjour, Claire. Bonjour. Bon, ben écoute, pense à tout ça, Michel, puis on se reparle, hein? Bye. Oh, Geneviève! Paraît que t'es enceinte. Félicitations! Oh, merci, merci. Jamais je pensais que quelqu'un de votre gang finirait par se marier un jour. Alors, par avoir un enfant, encore moins. Ça donne de l'espoir pour Michel. Bye! Un décap pour apporter, s'il te plaît. Bonjour, Lise. Bonjour. Vous avez lu le journal? Le diocèse vient de faire 6 millions sur le dos des orphelins du Mont-Carmel. Excusez-moi, vous êtes? Oh, on s'est parlé au téléphone. Sœur Magdalena. Oui, oui. Bonjour. Asseyez-vous. Ça vous scandalise pas? Excusez-moi, pourquoi vous êtes sur le dos des orphelins? Le Mont-Carmel a été agrandi en 1950 avec des subventions fédérales destinées aux arriérés mentaux. Ils ont placé des enfants normaux comme déficients pour avoir la subvention.
C'est aux orphelins, cet argent-là. Faut que le diocèse leur en remette une partie. Je vois pas ce que le conseil pourrait faire. On agit seulement dans des cas de discrimination. C'était de la discrimination. Vous savez comment les autorités ont choisi les enfants qu'on ferait passer comme déficients? C'est ceux qui ne payaient pas de pension. Je pensais que le Mont-Carmel était un orphelinat. La plupart des enfants avaient un père ou une mère. Des gens qui n'étaient pas capables de se charger d'eux, mais qui payaient une petite somme aux religieuses. C'est les orphelins qui rapportaient rien qu'on a reclassés comme déficients. Qui vous a dit ça? Je travaille dans une maison de retraite pour les religieuses au Nouveau-Brunswick. L'une de nos pensionnaires était directrice du Mont-Carmel en 1950. Elle m'a dit que des psychiatres sont venus faire passer aux enfants des tests arrangés d'avance. Et elle était d'accord avec ça? Oh non. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire contre un évêque? Maintenant, ce reste-elle à 89 ans. Et elle veut pas emporter son secret dans la tombe. Ça serait une immense enquête. Il faudrait revenir sur 50 ans. Des centaines de dossiers. Je pense pas que le conseil ait les moyens. Mais je peux vous aider. Je pourrais vous fournir 2 ou 3 cas. Bien documentés. C'est la dernière chance. Les témoins sont âgés. Si on entend trop, il ne restera plus personne pour nous dire la vérité. Hey, ton boss, c'est un écœur, hein? Quoi? Mon fils a disparu, puis c'est de sa faute. Il y a rien à voir là-dedans, OK? Qu'Éric soit mort. C'est ça qu'il voudrait. Qu'Éric soit mort, pas enterré, comme Thomas. Arrête de t'en prendre à Georges. C'est pas de sa faute. Sais-tu ce qu'il a fait quand Éric est allé le voir? Il l'a chassé comme un chien. Éric est allé le voir? Tu diras à ton boss qu'il a eu ce qu'il voulait. Il me l'a enlevé, mon fils. Je le verrai plus. Bien sûr, on pourrait pas revenir sur le dossier de tous les orphelins. On ciblerait 3 ou 4 cas. Sœur Magdalena a des contacts et elle est prête à nous aider. Je devrais demander un recours collectif. On n'est pas équipé pour s'occuper des causes du passé. Mais c'est une cause actuelle. Le diocèse vient de faire une fortune en vendant le Mont-Carmel et les orphelins sont dans la misère. Vous savez comme moi que l'Église a jusqu'ici refusé de s'excuser. Ils ont dit qu'ils ont fait leur possible avec les moyens d'époque. À l'époque, les enfants avaient tous le droit à l'école primaire. C'était la loi. Au Mont-Carmel, on les a privés d'instruction. Ils leur ont fait passer des faux tests. Ils ont été traités comme des arriérés juste parce qu'ils étaient pauvres. Penses-tu vraiment qu'on serait capable de prouver ça? Mais il faut essayer. Sœur Magdalena m'a donné le nom de 3 plaignants. Je vais les rencontrer. Mais vas-y. Mais sous toute réserve, faudrait pas créer de faux espoirs. Je vous trouve bien prudent. Et toi, tu l'es pas assez. Le conseil a besoin d'un avocat du diable. Faudrait pas que... Faudrait pas que tu changes juste parce que t'es marié avec Geneviève. Mais ça change rien. Tant mieux. C'est pas évident de travailler avec un couple. Hein? Mais on a toujours été un couple dès le premier jour où j'ai mis les pieds ici. Oui, mais avant, je pouvais faire semblant de pas savoir. Michel, tu vas être content. J'ai travaillé fort pour toi.
Oh, ça n'a pas été facile, par exemple. Il a fallu que je me batte. Ils m'ont dit en partant qu'ils ne voulaient pas d'un inconnu. Je ne suis pas un inconnu. Ah non, mais dans ces cas-là, ça ne sert à rien de bullshitter. J'ai mis carte sur table dès le début. J'ai dit, OK, c'est un nobody. Il n'y a pas d'expérience. C'est pas une vedette, ça n'en sera jamais eu. Mais qu'est-ce que ça vous prend pour ce rôle-là? Est-ce que ça vous prend une grosse vedette qui va faire ça par-dessus la jambe comme un petit contrat parmi d'autres? Puis qui va s'en foutre avant, pendant, puis après? Non. Ça vous prend un comédien qui a de la simplicité, de l'humanité, puis qui va vous donner son cœur. T'es bonne! Qu'est-ce qu'ils ont dit? On l'a! Wow! C'est quoi le rôle? As-tu vu l'annonce sur les maladies cardiaques? Mais c'est exactement la même chose. Je fais pas de pub. Je te l'ai déjà dit. Michel, j'ai accepté. Ils t'attendent demain matin, 9h. Je peux pas, j'ai un rendez-vous. Avec qui? Avec l'acteur qui me donne la réplique pour Rosanna, la pièce de Michel Tremblay que je monte. Tu sacrifies un contrat pour du théâtre amateur? Non, non, ce sera pas amateur. C'est Maxime Hébert qui me donne la réplique. Il acceptera jamais. Mais il a de l'ambition, lui. C'est un professionnel. Il m'a dit oui, puis on a commencé à répéter. Ah! Ta sœur Claire m'avait prévenue. J'aurais dû la croire. Tout ce qui t'intéresse, là, depuis que t'as hérité, c'est de vendre les biens de ton père puis vivre de ton héritage. Éric est allé voir mon père? Il paraît qu'il l'a chassé. Martin, tout à coup, elle a raison. Tout à coup, c'est vraiment le fils de Thomas. Ben oui, mais même si c'était vrai... Il a été légalement adopté. Ses parents, c'est les Darcy. Tu voudrais pas le connaître, toi? En tout cas, c'est bizarre que ton père nous ait pas parlé de cette visite-là. Ben oui, mais tu le connais, mon père. Il a mieux réglé ses problèmes lui-même. On dirait qu'il a peur. Il s'enferme chez lui. Bon, inquiète-toi pas pour lui. Il va pas bien. Il est trop tout seul. Pourquoi tu l'invites pas ici? Hein? Ça lui ferait du bien de se retrouver en famille. Oh, demande-moi-en pas trop, Franny. Geneviève et moi, on est heureux, là. J'aimerais ça que ça dure. La maison de notre enfance. Voyons donc, ça fait 30 ans que le duplex de la rue Fleury est loué. C'est quoi le gros drame? Ta mayonnaise va tourner. Claire veut mettre sa fille dans le duplex. J'ai pas d'enfant, mais il me semble que j'aurais le droit d'avoir ma part. Dis-lui, c'est toi le liquidateur. Je veux ma part. T'as l'air chiche de dire ça. C'est vrai que les loyers sont chers pour les étudiants. Est-ce que c'est à toi de subventionner ta nièce? Non, mais moi, je suis célibataire, hein, tandis que Claire a des obligations. Toi aussi, t'as des obligations. Mais oui, mais... Comme Claire dit, l'argent de papa, pour moi, ça va servir à subventionner mes loisirs, bon. Mais pour elle, ça va dépanner sa fille, tu sais. Mais le théâtre, c'est ta vie, c'est pas des loisirs. Ta sœur respecte pas tes choix. T'as entendu ce qu'elle a dit ce matin? Ça t'a blessé? Oui, ça m'a blessé. Oh. Hey. OK. Je vais dire à l'agent de se grouiller, puis d'ici 15 jours, je te jure, le duplex est vendu. Ta mayonnaise a tourné. Je me suis un peu avancée. J'ai dit au conseil que je leur fournirais 3 cas bien documentés. Mais le psychiatre qui a testé les enfants est mort depuis longtemps. Alors j'aurais besoin de votre aide. Autrement, vous seriez pas venue me voir? Bien sûr que je serais venue. J'aurais trouvé une autre raison. Dans le temps, vous avez publié une série d'articles sur les orphelins du Mont-Carmel dans La Vérité. Ah, mais c'est ma femme qui avait écrit ça. Ça s'appelait Les enfants trahis. Si je me souviens bien, elle a interviewé un jeune médecin, scandalisé par ce qui arrivait. Oui, c'était son informateur. Il assistait le psychiatre du Mont-Carmel. Vous connaissez son nom? Ah non, c'est Hélène qui le connaissait. Elle n'avait pas le droit de le dire à personne. Autrement, le docteur risquait la radiation de son ordre. Quand on en parlait ensemble, Hélène et moi, elle l'appelle docteur Canard. Pourquoi? Il ressemblait à un canard. J'en sais rien, je t'ai jamais vu.
Avez-vous gardé les papiers de votre femme? J'en ai... pas beaucoup, j'en ai, oui. Des brouillons, de lettres, des carnets. Peut-être si on fouillait dans ses notes, elle aurait écrit le nom du docteur quelque part. Si vous reveniez demain, ça me donnerait le temps de chercher. Hmm? Je suis pressée. Je repars pour Moncton demain soir. Est-ce que ce serait possible qu'on aille voir maintenant? Si je vous disais non, est-ce que j'aurais la chance d'avoir une autre petite visite? Ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu. Je vous ai envoyé une petite carte. Vous n'avez pas répondu. Ah oui, je m'en excuse. J'ai négligé mon courrier ces derniers temps. Je m'inquiétais pour vous. Allez-vous bien? Ah, très bien. Ça m'a surpris quand j'ai vu les verrous sur votre porte. Il vous a rien arrivé. Non, mais je suis pas comme vous, ouais. Je deviens prudent en vieillissant. Pas trop, j'espère. Bon, tous les documents sont dans la cave. Si la poussière vous fait pas peur, allons-y. Ah, tiens, ici. Il parle du petit docteur. 25 ans, gradué de Laval, résident en psychiatrie. Il assiste le docteur Paul-Émile Beaulieu. Ça, c'est le psychiatre qui a fait le sale boulot au Mont-Carmel. Il n'y a pas son nom. Vous n'auriez pas un vieil agenda? Mais non, gardez rien. Tout est là. On a pas mal fait le tour. Et puis... Thomas Rivard. Oui, c'est mon fils aîné. Mort à 18 ans. Un accident bête, son canot a versé. C'est à lui tout ça? Eh oui, j'ai rien rejeté. J'ai tout gardé. J'aurais pas cru que vous soyez le genre à vous accrocher au passé. Ah, c'est plutôt le passé qui s'accroche à moi. On dirait qu'il veut pas me laisser tranquille. Un peu avant sa mort, moi, c'était fait une petite blonde. Lisa. Elle a prétendu plus tard qu'elle avait eu un fils de lui. Moi, j'ai jamais cru à cette histoire-là, mais quand il est venu sonner ici, chez nous... Qui? Fils de Lisa. Alors, j'ai cru voir Thomas. Qu'est-ce qu'il voulait? J'en sais rien. Je voulais pas lui parler. Pourquoi? Quand j'ai vu Eric, j'ai eu l'impression que c'était Thomas qui revenait me faire des reproches. Vous savez ce que ça veut dire, paix à son âme? Ça veut dire laisse les morts en paix. Laissez-le partir, votre fils. Comment? Occupez-vous des vivants. Qui est-ce que tu veux de moi? Moi? Va falloir que vous me trouviez le vrai nom du docteur Canard. Allez demander à votre femme. C'est trop tard. Même si je lui demande, elle ne se souvient plus de rien. Oh, si, quand même. On ne sait jamais. Je viens de parler avec Jasmin au bureau. Tu sais, le comptable, là? Lui, il a deux duplex à Rosemont. Ben, il fait dire que c'est vraiment pas le temps de vendre. Hein? On va perdre l'argent. Ben, mon agent d'immeuble dit le contraire, puis il fait visiter cet après-midi. Ah, tu pensais à ta retraite, Michel? Mais c'est pas le théâtre amateur qui va t'assurer tes vieux jours, là. Je suis capable de m'occuper de mes affaires. Oh, mais je m'en fais pour toi, moi. Garçon de café, ça durera pas toujours.
C'est dur pour le dos. Déjà, tes problèmes de torticolis, là. Qu'est-ce que tu vas faire quand t'auras plus la santé? Tu respectes pas mes choix. Ben, au contraire, j'ai beaucoup de respect pour toi. Sinon, je prendrais pas la peine de te donner tous les conseils que je te donne. T'as dit devant Louise que je devrais me marier puis faire un petit. C'est une blague! Je suis certaine qu'elle a compris. De toute façon, avec la différence d'âge, elle doit bien savoir que ça ne durera pas toujours. Moi, en tout cas, si j'avais un chum qui a 15 ans de moins que moi, je te... Tu te fous de ce que je sens? Mais c'est toi qui comprends rien! Je l'aime, le duplex de la rue Fleury. C'est le premier logement des parents. C'est là que je suis née. Je suis pas capable de le voir partir. Oh. Vous autres aussi, on est propriétaires. Et est à moi, cette maison-là, bien plus qu'à tous vous autres. Quand j'étais adolescente, papa m'engageait pour faire la peinture avec lui. Je percevais ses loyers, je faisais toute sa comptabilité. C'est vrai, il m'appelait son homme de confiance. Là, il meurt, puis... C'est toi qui es exécuteur testamentaire, moi, je peux rien à dire. Mais c'est pas de ma faute si papa... Maman est pareille. Elle passe son temps sans faire juste pour vous autres. Il y a rien que les jeunes qui comptent. Mais moi, j'essaie de la distraire. J'organise un petit souper de famille. Il y a rien que Suzanne qui est venue. Les soupers de famille quand papa est plus là. Je m'ennuie de lui! L'autre jour, maman avait fait des sacs avec ses habits là, pour l'armée du salut. Ben, j'ai tout apporté ça chez nous. Je suis pas capable de donner ses affaires. Je peux pas imaginer une pancarte à vendre sur le duplex de la rue Fleury. Il est mort, il faut se faire aider. Mais pourquoi on peut pas attendre pour vendre? J'ai promis à ma fille qu'elle pourrait s'installer pour 6 mois. Ah, on pourrait peut-être... Oh oui, mon petit frère, au coup, je t'aime! Oh. Il faut que les autres soient d'accord, par exemple. Je vais leur parler. Hey, tu me feras pas croire que ça ne peut pas attendre pendant 6 mois, un peu. Hein? Il n'y a pas rien que l'argent dans une famille. Il y a les souvenirs aussi. Merci. Ginette, c'est Michel. Oui, à propos de la pub, là. Pourquoi pas? Moi, ça me ferait plaisir de voir ton père. Tu lui feras ton spaghetti. Même si je l'invite, ça m'étonnerait qu'il accepte. Mais fais-le quand même, tu vas te sentir moins coupable. Mais je me sens pas coupable. Menteur. Il peut être tellement pénible. Quand je suis allé le voir la dernière fois, il m'a pratiquement pas dit un mot. Mais c'est ton père. Vous devez quand même avoir eu des bons moments ensemble. Non. Quand t'étais petit? Non. Et tout le monde a au moins un bon souvenir avec son père. Je sais pas, une histoire qu'il te racontait, un cadeau qu'il t'a fait. Quand j'ai eu 8 ans, il m'a acheté un gant de baseball. Tu vois? C'est le pire souvenir de ma vie. Martin. Non, je te le dis, c'est vrai. Il m'a acheté un gant de baseball parce qu'il me trouvait nul en sport. Alors, tous les dimanches, là, il avait décidé qu'il m'entraînait. Il me lançait la balle. Naturellement, il fallait que je l'attrape, mais une fois sur deux, je la manquais. Alors là, il s'impatientait, plus il s'impatientait, pire j'étais, jusqu'au moment où j'ai fini par cacher le gant de baseball dans la cave en dessous d'un mètre. Si tu veux, je vais l'appeler, moi. Puis je vais m'occuper du souper. Ah bon? C'est un concept magnifique, tu vas voir. Des hommes en col roulé noir, assis sur des chaises devant un fond blanc. Et là, ben, comme au théâtre. OK. Hein? Puis là, on entend ta voix qui dit « Un homme sur quatre en sera atteint un jour ou l'autre. » Un homme sur quatre va faire une maladie cardiaque. Ben non, on parle pas de crise cardiaque, là. On n'a pas le cancer. Ben non, si ça avait été une maladie, Michel, je t'aurais pas fait la proposition. Non, je sais que t'es hypochondriaque et puis je respecte ça. Non. C'est une condition ben, qui affecte les hommes. Ellie! Un homme sur quatre sera atteint un jour ou l'autre. Problème masculin rarement discuté. Ben non, là, je peux pas faire cette pub-là. Ben, pourquoi? Ben, là, les gens vont penser que j'ai ça. Ben voyons, Michel, les gens sont pas idiots. Si tu vois un gars qui fait une annonce de gomme qui colle pas au dentier, tu te dis pas de l'acteur, ah, c'est sûr, il y a un dentier. Ben oui, c'est ça que je me dis, moi. Les gars qui font les annonces sur les maladies cardiaques, tu penses vraiment qu'ils ont des problèmes de cœur? C'est des acteurs. Ils jouent des rôles. Ben oui, mais ça, c'est pas pareil, moi, ça. Je suis d'accord. C'est particulier. Et c'est pour ça que
ça prend quelqu'un d'exceptionnel. Je leur ai dit, hein. Puis, tu peux être sûr que le cachet va être élevé. Il est aussi bien d'être élevé. Oui, Michel. Oui. Mais oui, tu l'appelais le docteur Canard. Pourquoi? Ah, ben, je sais pas. C'est toi qui le connaissais. C'est vrai qu'il avait un peu une voix de canard. Hein? Ah, puis il avait le don d'appeler à des heures impossibles. Tu te souviens des fois à 7 heures le matin, le samedi? Bonjour, est-ce que l'aîné est là? Puis tu partais le voir. Il appelait tellement souvent que j'avais fini par me dire qu'il avait un faible pour toi. Docteur Canard, ça te dit rien? Il y a des grandes portes toujours fermées, même si tu tapes dessus. Et puis des fois, des toutes petites qui s'ouvrent quand tu t'y attends pas. Pauvre Hélène. Toute mêlée. Puis moi qui viens à la chalet avec mes questions. Je suis contente de te voir. Tu vois, c'est simple. Tu viens... On se parle. Moi aussi, je suis content. Si on allait faire un tour, hein? Rien pour te fatiguer, juste le tour du bloc. Regardez ça. Là. Mallard, c'est un nom de canard? Oui. Le docteur Mallard. Le docteur Mallard! Il a 75 ans maintenant. Il confirme la version de nos plaignants. Il dit que le psychiatre avait un quota à remplir. Il fallait qu'il trouve au moins 250 déficients mentaux. La direction leur a fourni une liste d'enfants à tester. Tous ceux qui ne payent pas de pension. Qui a fait passer les tests, Mallard? Ah, il assistait son patron, le docteur Paul-Émile Beaulieu. C'est lui qui avait la responsabilité. Est-ce qu'il vit toujours? Il est décédé, mais le docteur Mallard a gardé certains dossiers. Ceux de nos plaignants? Non, mais il a gardé le dossier d'une petite fille. Particulièrement brillante, qui s'est retrouvée parmi les déficients. Colette, je l'ai connue. Dans le temps, elle venait à la maisonnée. Les religieuses lui avaient trouvé une place de gardienne dans une famille. Je l'ai appelée. Ils l'ont perdue de vue. On va la retrouver. Redites-moi son nom. Colette Girard. Je connais une Colette Girard. Elle fait le ménage ici. Pensez-vous que c'est la même? Écoutez, je sais qu'elle a travaillé longtemps pour la même famille. Elle m'a jamais dit qu'elle avait été orpheline au Mont-Carmel. C'est pas quelque chose dont on se vante. Sœur Estelle aussi voudrait vous parler. Elle vient à Montréal? Non, mais... Vous pourriez lui parler entre 3 et 4 heures à ce numéro-là. Vous comprenez, à la résidence, ce serait délicat. Mais elle a une amie chez qui elle va aller faire un tour. Vous savez que mon enquête ne sera pas clandestine. Et s'ils sont appelés à témoigner, ce ne sera pas clandestin non plus. Il faut qu'ils sachent dans quel processus ils s'engagent. Oh, ils le savent. Faut pas leur en vouloir s'ils prennent des précautions. Ça fait 50 ans qu'ils se taisent. Ça vous scandalise pas, s'ils avaient parlé avant? Le courage. C'est comme avoir de l'oreille. C'est pas donné à tout le monde. Pourtant, on reproche pas aux gens de chanter faux. Moi, je suis certaine que vous chantez juste. J'ai longtemps fait partie d'une chorale.
Hey, prendrais-tu une bière? Association des urologues du Canada, des mots. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Non, donne, donne. Hey, oh, écoute pas ça. Un homme sur quatre connaîtra un jour dans sa vie des problèmes de dysfonction érectile. Vous êtes celui-là? Pas de quoi avoir honte, ça se soigne. C'est décidé. J'en parle à mon médecin. Pourquoi tu voulais pas que je le voie? C'est bon? C'est bien ça? C'est trop. T'as pas peur que le monde te regarde croche dans l'automne? Ben, c'est une fube. Voyons, les gens, ils savent que c'est pas vrai. En tout cas, moi, j'aurais jamais eu le culot. Bon, c'est parce que t'es pas comédienne. Même si je l'étais. Mais vas-y aller dire ça en pleine télé. Madame, monsieur, bonjour. Comme une femme sur quatre, je n'ai pas d'orgasme. T'as coup, quelqu'un te reconnaît? Ben, c'est correct, là. Ça me tente plus d'en parler. Primo, personne ne la verra, c'est pour une diffusion à circuit fermé dans des congrès d'urologues. Puis Deuxio, là, ça peut être très, très bien. Tertio, ta sœur, garde le duplex. Ah, ça non plus. Ça me tente plus d'en entendre parler. Ben, ça va être pas mal plate si on peut plus parler de rien. Oh! Michel! Come on! Pas de mots de tête, de mots de cœur? Non. Qu'est-ce qui peut pousser un médecin à faire un faux diagnostic? Mais je te jure que t'es vraiment enceinte. Non. Je te parle pas de moi, c'est pour mon travail. Oh. Bon, j'ai rencontré un médecin qui a été impliqué dans le dossier des orphelins de Mont-Carmel. Il doit pas être jeune. 75 ans. Il avait 25 ans à l'époque. Son patron, un psychiatre reconnu, a fait de faux diagnostics de déficience mentale. Je comprends pas qu'un médecin ait pu condamner des petits-enfants à l'asile. Je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont pu se faire en toute bonne foi. Les tests d'intelligence n'étaient pas fiables. Les enfants pauvres avaient souvent des moins bons résultats. Oui, mais Mallard m'a expliqué qu'une petite fille qui avait eu des résultats brillants s'est retrouvée parmi les déficientes. Son patron lui a dit qu'il fallait faire une pondération. Il a changé les résultats de test. Falsifier des résultats, c'est un acte illégal. À l'époque comme maintenant. Je dois être à 6 heures à la gare. C'est pas loin. Il est déjà 5 heures. Qu'est-ce que vous faites? Il reste encore 15 minutes. Je veux plus que vous regardiez votre montre. Oh, je suis pas polie. Vous avez la gentillesse de me reconduire. Mais non. Alors, c'est pas de la gentillesse. Je veux profiter de chaque minute qui me reste. Oh, je voudrais vous remercier. Bon. C'est moi qui vous remercie. M'avoir envoyé voir ma femme. C'était bien? Bon. Connaissez-vous l'histoire d'Orphée qui était descendu aux enfers chercher sa femme? C'est la résidence que vous appelez les enfers. À l'étage des Alzheimer, ils sont tous comme de pauvres âmes en peine qui errent entre la vie et la mort. Alors quand je vois Hélène, je la reconnais. Sa voix, son beau visage. Mais il suffit qu'elle dise ou qu'elle fasse quelque chose qui a vraiment pas d'allure pour que je la reconnaisse plus.
Je pense seulement à sa maladie. Je repère ma femme comme dans l'histoire d'Orphée. Allez voir votre fils après que je serai parti. Il vous a invité. Martin et moi, on n'est pas très proches. Vous allez être grand-père. Ah. Tout va changer. Je vous vois déjà à Noël l'année prochaine avec un sapin dans le salon et le bébé dans vos bras. Je peux pas croire qu'il va y avoir un petit enfant dans ma vie. Vous vous sentez trop vieux. Trop jeune. Tenez là, j'ai comme un mouton dans le fond de la gorge, comme un adolescent. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vais voir partir une femme vraiment épatante, à laquelle je me suis peut-être trop attaché. Je suis comme un adolescent qui n'arrive pas à savoir ce qui se passe. Et puis, je sais pas non plus si j'ai le droit de lui dire. Ni comment. Elle va me prendre. Comme un beau cadeau! Oh, la vie est belle, Georges. Thomas avait l'habitude de dire ça aussi. C'était un sage, votre fils. Allez, venez. Je vais pas être en retard. Ouais. Venez. Faut pas oublier la montre. Abbé René Marcille, je suis le secrétaire de Monseigneur Bédard. J'ai eu l'occasion de parler à votre adjointe au téléphone. Geneviève Langlois n'est pas mon adjointe. C'est une agente au conseil responsable de l'enquête sur... Les orphelins du Mont-Carmel, elle m'a dit ça, oui. Voulez-vous vous asseoir? Merci. J'ai de la difficulté à comprendre le sens de votre démarche. Sans le dévouement de nos religieuses, ces enfants auraient été dans la rue. L'Église recevait une subvention du gouvernement pour s'occuper des orphelins. Des montants ridicules, même selon les standards de l'époque. 70 sous par jour. Qui passait à 2,50 $ si l'enfant était déficient. Madame Langlois m'a parlé de votre théorie. Ça tient pas la route. C'est pas les religieuses qui décidaient de classer tel ou tel enfant en débile mental, c'est des psychiatres. Qui avaient des consignes très strictes émanant du diocèse. J'ai pas de théorie, monsieur l'abbé, je m'efforce d'être objectif. Si vous voulez regarder, vous verrez que c'est un dossier très documenté. C'est une enquête policière? Bien sûr que non. Le conseil est là pour concilier les parties. Non, je suis sûr qu'on pourra réfléchir ensemble à une façon dont l'Église pourrait exprimer concrètement ses regrets. La position de nos évêques est connue. Pas d'excuses. Ce serait désavouer nos communautés qui ont fait du mieux qu'elles pouvaient. Moi aussi, je suis catholique, monsieur l'abbé. Mais je comprends pas que mon Église ait de la difficulté à reconnaître ses torts. Depuis 20 ans, nos communautés ont apporté de l'aide aux expansionnaires du Mont-Carmel. On a ouvert des foyers, des centres de jour, mais il faut pas compter sur des excuses ou des compensations individuelles. Dites-le aux plaignants. C'est plus entre leurs mains maintenant, mais entre celles du conseil. Et je vais recommander que cette plainte aille jusqu'au tribunal des droits de la personne. Vous perdez votre temps, Monsieur Mokolo. C'est bien dommage. Je vous ai apporté un cadeau. Ça appartenait à Martin. Ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce que c'est? Un gant de baseball. Il était en cave. Je l'ai trouvé en dessous d'un meuble. Oui, je voulais donner des vêtements de Thomas, là, puis je suis tombé dessus. Tu te souviens comment on l'avait cherché? Ben oui, ben oui. Ah, il l'aimait, son gant de baseball. Il fallait pratiquer tous les dimanches après-midi dans le cours, hein? Eh ben, ça va être à ton tour, là, de pratiquer avec ton petit gars, un coup. Ah, ben, pas tout de suite, là. Geneviève a juste un mois de fait. Ben, ça va te donner le temps de pratiquer. Hein? Je peux bien dire maintenant, t'étais pas ben bon, hein? Alors, il avait du talent, mais il était tellement orgueilleux, il fallait pas qu'il manquait de balle. Oh, c'est pas grave. On va avoir une fille. Ah, vous pouvez le donner, si vous le voulez pas, hein? Ah, oh, non, j'y tiens.
Ah, mes enfants, il y a des journées comme ça où on peut pas être pessimiste, hein? Moi, j'attends un petit fils. Les femmes sont belles. Ta mère va bien. Puis mon gars a l'air bien heureux. Oui, oui, je le suis. Eh bien, tant mieux. Tant mieux pour les deux. Ça me donne envie d'élever mon verre en bonne santé, mais il m'en faudrait un pour ça. Oh, excusez-moi, excusez. Et ça va faire, le théâtre amateur? Maxime m'a dit que vous répétez demain. Il s'est rendu qu'il n'y a plus le temps de travailler. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Il paraît que t'as essayé de refiler la pub à tout le monde. Michel! On a vu ton annonce à télé! C'était supposé être juste en circuit fermé, ça. L'as-tu vu? Il est bon. Évidemment, c'est particulier, hein? Simon, il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a dans mon oncle Michel. C'est quoi ça, la dysfonction érectile? Je savais pas trop comment expliquer ça à un enfant de 9 ans, fait que j'ai dit que c'était une maladie de peau. Hey, mon Dieu, faut que j'y aille, moi! Bon, Thierry, lui, est pas mal plus wise. Sais-tu ce qu'il dit? Moi, j'aurais pas fait cette annonce-là pour 1 million. Ben, sais-tu ce que j'ai répondu? Ton oncle Michel a le droit de faire ses propres choix. T'es-tu content? Oh, tu disais que je respectais pas tes choix. Ben là, je t'ai défendu. Puis si maman ou Suzanne essaie de passer une remarque, ben je vais te défendre encore. Merci beaucoup, Claire. Mais t'aurais pas trop fait confiance à Ginette, hein? Ça va être quoi la prochaine fois, là? Elle est capable de te refiler des dents entières ou des hémorroïdes. Oh, tu devrais mettre un haut, là. C'est pas bon pour ton image. Tu poses des grosses barrures sur ta porte, mais ta laisse ouverte. À quoi ça sert? Oui, t'as raison. Va tout enlever ça. C'est contre mon garçon. C'est de lui que t'as peur. Il te veut rien de mal, George. Juste te voir. C'est qui encore? Il est parti, puis j'ai plus de nouvelles. Pourquoi tu me l'as envoyé ici? J'ai pas besoin d'un vieux bonhomme comme moi. Je peux pas y faire peur, ton gars. Je le connais pas, puis il vient sonner ici à dire au revoir. Tu l'as reconnu? Ah, voyons donc. J'ai jamais vu. Il m'a dit que quand il l'a vu, t'as crié Thomas. Bien, mon entendu. T'as dit, qu'est-ce qui est là? Il ressemble à Thomas, c'est son portrait. Ah, hein? Ou pas, moi? Quand Eric va revenir, on va faire un test sanguin. Tu vas bien voir que t'es le grand-père. Enlève-toi ça de la tête. Je suis pas à la recherche d'un petit-fils. J'en ai déjà un. La femme de Martin est enceinte. Tu vas renier mon garçon? Même s'il a déjà un de Thomas, c'est un Darcy. C'est ces gens-là qui l'ont élevé. J'ai aucun lien avec lui, mais j'en aurai jamais. Un jour, tu vas regretter d'avoir dit ça, toi.